Avant, quand on entendait port de Douala, on pensait directement à ça. Et son chiffre d'affaires était de 40 milliards. Une barrière et quelques caméras plus tard, je suis fier de vous annoncer que le chiffre d'affaires du port autonome de Douala avoisine les 80 milliards. Soit presque le double du chiffre d'affaires avant le projet de sécurisation il y a 7 ans. Quand les choses sont bien faites, il faut donner les mains. Vous savez, il y a quelques années, le port de Douala était comme le Ben Sikin. Quand on vous dit Ben Sikin, vous pensez à quoi? Moi, je pense à une danse. Un projet de sécurisation plus tard, le port de Douala est devenu une référence mondiale. Même les US Coast Guard ont validé notre port. Aujourd'hui, je ne vais donc pas revenir sur les détails du projet de sécurisation. Non, j'avais déjà fait une vidéo à propos. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle juste des chiffres avant et après le projet de sécurisation de notre port. Avant, le port était comme la cour du grand frère du roi Peto. Chacun pouvait entrer comme il veut. Pourtant, l'accès au port est payant. À cette époque, le port gagnait 400 millions sur les accès par an. Avec le projet de sécurisation, une clôture périmétrique de 25 km encercle le domaine portuaire et le port a construit 6 grandes guérites et 50 checkpoints pour filtrer les entrées. Désormais, pour entrer au port, il faut montrer patte blanche. Du coup, le port est passé de 400 millions à, tenez-vous tranquille, 1,2 milliard par an, uniquement sur les titres d'accès. Bref, 3 fois le montant de l'époque du port Gadourou. Toujours avant, on avait l'impression que le port était comme un aéroport. Plusieurs vols par jour, pourtant il n'y avait aucun avion. C'est donc chaque membre de la communauté portuaire qui se battait pour assurer la sécurité de ses marchandises. Hommage à toutes les victimes de vols dans les conteneurs et les véhicules. Aujourd'hui, le port a installé plus de 500 caméras contrôlées à partir de la plus grande salle de vidéosurveillance d'Afrique centrale. Le port a également installé un système d'éclairage solaire sur l'ensemble du domaine portuaire. Il a également recruté et formé plus de 500 surveillants, maîtres et officiers de port et les a outillés pour assurer la sécurité et la sûreté du port et de toute la communauté portuaire. Tout ceci a donc été possible grâce à l'instauration de la taxe de sûreté que les membres de la communauté portuaire payent dorénavant au port. Du coup, le port a gagné plus de 11 milliards depuis l'instauration de cette redevance de sûreté qui n'existait pas avant. Toujours avant, pour terminer, c'est chaque entreprise qui gérait le paysage et déclarait les tonnages selon leur gré. Du coup, le port n'y voyait que dalle. Aujourd'hui, le port contrôle les paysages à travers un système centralisé. Du coup, on est passé de presque rien à presque 1 milliard par an. En gros, vous vous demandez certainement c'est que nous, le peuple camerounais, avons gagné dans tout ça. Et bien, sachez que avant le projet de sécurisation, le port versait maximum 400 millions par an dans les caisses de l'État. Depuis le projet de sécurisation, le montant annuel versé dans les caisses de l'État est passé à, tenez-vous tranquille, près de 3 milliards, soit 7 fois ce qu'on gagnait à l'époque du port que vous connaissez, faisant du port autonome de Douala l'une des entreprises les plus performantes du Cameroun. Mais notre plus grande satisfaction, c'est l'incroyable sécurité qui règne au port de Douala pour le bien de nos importateurs et exportateurs. Fini l'époque du port aéroport, le dernier voleur a été cueilli en plein vol. Vous comprenez donc que ces chiffres incroyables sont tributaires de la sécurité des marchandises. La suite étant bien sûr la diversification des ressources. Alors ne soyez pas surpris dans quelques temps de voir des hôtels et hôpitaux construits par la nouvelle régie du patrimoine du port. C'est donc avec certitude que nous pouvons dire que le port autonome de Douala est un moteur de la croissance économique de notre pays. Bravo à son équipe dirigeante. Grâce à vous, on est parti de ça. Et qui est où le port? Wow. Prenez soin de vous. Ciao.